Bonjour à tous, Olitinoa, j'espère que tu vas bien. Avec un peu de retard, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi avec mes résultats Dream Snaps, mais surtout le shop premium, en sachant que je serai en live tout à l'heure à partir de 19h pour qu'on parle du shop premium, de vos résultats Dream Snaps, qu'on joue ensemble, enfin qu'on passe un bon moment. En introduction, un petit teasing sur une vidéo de demain. Demain, je te présente ça, le guide officiel de Disney Dreamlight Valley. Un livre magnifique, vraiment trop beau, qui m'a été offert par l'éditeur. Donc, merci à eux de m'avoir offert ce livre. Demain, un décryptage complet du livre. Franchement, je l'ai parcouru rapidement. Il a l'air juste énormissime. J'ai hâte de te le présenter. Alors, je suis un peu dégoûté parce que les couleurs sont pas top. Non, c'est pas terrible. Hein. Voilà, là, on le voit mieux. Mais voilà, j'ai hâte de te le montrer demain en vidéo dans la journée. Franchement, il est trop beau. Donc, on va aller sur le jeu. Je vais commencer par te montrer la photo de Dream Snaps, donc concert de rock de la vallée. Donc voilà ma photo, je m'attends à rien parce que ma photo elle est pas exceptionnelle du tout. Ce qui est sympa c'est qu'on a certains personnages derrière les instruments de musique, mais voilà. Je m'attends pas à avoir plus de 1200 pierres de lune. Et si j'en ai 1200, eh ben non, ce sera que 900. Merci d'avoir participé au défi concert de rock de la vallée et partagé ta créativité avec les autres joueurs. 72,65, je suis 49 790e. Et j'ai 900 pierres de lune. Alors, soit je suis dans les 10 000 premiers, soit je suis dans les 50 000, 60 000, enfin, bref. On va aller voir également le défi actuel. C'est bien celui que je t'avais annoncé hier en vidéo. Tous les mardis, j'essaie de faire une petite vidéo teasing. Pas teasing, mais preview plutôt avec ce qui va arriver le lendemain dans le jeu. Donc, je t'avais montré la bannière et je t'avais dit que c'était le thème Hakuna Matata. Faites l'arrivée de Timon et Pumba dans la vallée en décorant un espace spécial où il n'y a aucun souci. Fais-en l'oasis ultime de divertissement et de relaxation, quelle que soit la forme que ça prend pour toi. Il faut des items forts, extraordinaires. Le roi lion est rustique. Voilà, je te l'avais annoncé. Et puis, on va aller regarder la boutique. Je te disais, mais c'était vraiment des prédictions. Là, sur ce coup-là, j'avais pas d'infos. Mais par rapport au thème, trois choses qui devraient être disponibles dans le shop premium. Et d'après ce que j'ai vu, ça va être le cas. Donc, on va avoir quoi le temps que ça charge? Bon, bah voilà. On a donc le chalet du règne animal. Très sympa. 3000 pierres de lune. Donc, comme je le disais dans ma vidéo hier, c'est en fait un chalet qui existe vraiment dans les parcs d'attractions. Ensuite, on a l'ensemble salon de la savane. Avec donc la bannière décorative Simba, cheminée en fer de la savane, tapis tissé de la savane, table d'appoint de la savane, fauteuil long de la savane. C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc 5 items. C'est pas mal, 5 items. 1500 pierres de lune, ça reste raisonnable. C'est bon ou pas? Ça reste raisonnable, même si c'est pas quelque chose que je vais prendre énormément. Je trouve ça sympa. Ensuite, on a le renard lionceau. Donc, le petit renard déguisé en Simba. Bon, il ne casse pas des briques, mais on va le prendre pour vous montrer. Une bestiole unique pour t'accompagner dans tes aventures. Et ensuite, elle de Falaine Rose de l'érable. Bon, elle s'était déjà sortie il y a quelques semaines. Donc, que trois nouveautés vraisemblablement. Ensuite, en offre à durée limitée, on a la cuisine, une touche d'arendelle. On a l'ensemble corsaire aussi. Si jamais tu veux les voir, n'hésite pas à venir dans mon live. Alors, c'est un petit shop, hein. Parce qu'on n'en a que 6, on n'en a pas 8. Et après, on a 4 items recommandés. Donc, moi, j'ai les animaux bleus que je n'ai pas. Ils me mettent toutes les semaines pareil. Hein. Les skins d'outils de Mulan et de Tiana. Et puis, les piliers. Les piliers de alerte rouge.
Je les ai déjà, donc bon. On va regarder tout de suite. Alors ça, on va les garder. On va regarder tout de suite le skin de maison, ce qu'il donne. Bon, faut dire ce qui est, c'est pas le plus beau skin de maison qui de cette mise à jour. Pourquoi je peux... Ah ouais, ok. Ah, voilà. Donc la maison, Cet alors endroit n'est pas j'aime beaucoup la pareil. fenêtre là, et on voit à l'intérieur où on voit des plantes et des fleurs. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Après, le bâtiment est plutôt sympa, il est plutôt beau. On va essayer de voir ce que ça donne la nuit. Graphisme. Ok, donc tout s'allume, même le bas. Le bas, c'est assez léger en fait. On a l'impression qu'on voit la pièce à travers, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. On va se remettre en jour et puis on va aller voir le petit compagnon. Le petit compagnon, en vrai, il casse vraiment pas des briques. Et puis je trouve que l'arrière, le quand on le voit de dos, la collerette, elle rend pas terrible, terrible. Je sais pas ce que tu en penses, mais si tu es fan du Roi Lion, pourquoi pas? Je pense qu'on va en voir beaucoup dans les Dream Snap cette semaine. J'aime bien la petite queue touffue aussi. Vraiment, 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 ça change du renard habituel. Voilà. Bon. Et ensuite, on va aller dans ma maison. Je vais te montrer tous les meubles. Alors, je vais tâcher de trouver une pièce. Voilà. Donc. En nouveaux meubles, normalement on les a tous. Donc le fauteuil, la petite table, la bannière, on peut la mettre n'importe où. On en a même plusieurs. Non, pas ça. On va faire trier par plus récent. Donc on a le tapis et on a la cheminée qu'on peut mettre aussi au milieu de la pièce. Donc on va regarder ce que ça donne. Avec c'est quoi? C'est des éléphants. Il y a des éléphants sur la table. Le tapis, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le petit fauteuil. Ok, impeccable. L'espèce de cheminée qu'on peut allumer et éteindre, qui est assez classique. Et puis la bannière. La bannière, ok. Bon, ça fait très très savane, effectivement. Voilà, voilà. J'espère que ça te plaît, les items de cette semaine. N'hésite pas à venir sur le live. J'ai une grosse surprise à te montrer. J'ai hâte de la déballer et de vous la montrer. Je vous dis à tout à l'heure ou à très bientôt. Bye!